Ok. Urakoze Charles, kuba mwarampaye umwanya ngo nze kugira ikiganiro natwe twese. Merci Charles de m'avoir donné l'occasion de pouvoir partager donc avec tout le monde. Ndagerageza gukora présentation, umuntu afite ikibazo ashobora kumpagarika nta kibazo, kuko nk'uko wabivuze icy'ingenzi ni ukubasha kwigisha plus que kubwiriza kugira ngo abantu barebe ko basobanukirwa. Je vais faire une présentation. Cependant, s'il y a l'un ou l'autre qui a une question, peut m'arrêter. Ce n'est pas une prédication. L'essentiel, c'est qu'on puisse échanger donc, sur le sujet. François rero afite ibyago kuko niwe ushaka ugomba kubona ibigambo byo gusobanura agiye ntabwo nabishobora. Je vais parler en français. On va essayer de s'entraider puisque moi-même, c'était moi qui n'y Rwanda, je ne serai pas à mesure, mais on va se compléter quand même. Tout à C'est fait. bien. Merci. Merci. Ok, bon. Charles, est-ce que vous voyez le... Oui, tout à fait, on voit la page. Ouais. Ok, good. Le budget, la plupart du temps, les gens se demandent, ben, le budget, pourquoi? Moi, j'ai dans la tête tout ce que je fais, puis je sais ce que je fais, puis c'est assez. François, tu es mute. Ingengamari cyangwa ingengamutungo abantu benshi baribaza icyo ari cyo kuko abantu benshi bavuga bati jewe mu mutwe wanjye ndazi ukuntu ntunganya ubutunzi bwanjye. Je lisais une petite histoire d'un monsieur qui avait une entreprise. Dans son entreprise, il avait le budget, toutes les planifications, mais et puis il faisait beaucoup d'argent. Et pourtant, il a réalisé qu'il était trop endetté au niveau personnel. Nagerageje gusoma igitekerezo cy'umuntu w'umutunzi yari afite amahera yari yarateguye ingengamutungo ingengamari yiwe byose byari bitunganye neza biteguye neza ariko aza kubona yuko afise ideni canke umwenda sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita Ni umwenda wabikoze. n'umwenda ku byerekeye umutungo we bwite. Souvent, alors, on néglige notre niveau personnel et pourtant, les résultats peuvent être aussi catastrophiques. Kenshi rero kuri ibi by'ingengamari turirengagiza cyane ibituraba twebwe nk'umuntu kandi ingaruka zo kutabyitaho zishobora kuba nyinshi cyangwa mbi cyane. Peu importe notre statut, on a toujours des responsabilités. Uko rero tuba tumeze twose urwego turiko bwo turafise inshingano. Ben, on a d'abord la responsabilité envers notre famille. Turafise inshingano mu miryango yacu. Il y a un aspect qu'on néglige souvent au niveau financier, mais aussi nous avons des responsabilités devant Dieu. Hari byinshi rero tudakunze kwitaho ariko tugomba kumenya yuko dufise n'inshingano imbere y'Imana. Non seulement nous sommes appelés à répondre à nos besoins personnels et ceux de nos familles. Ntabwo byonyine tugomba gutunganya canke gutunganya inshingano zacu ku byerekeye twebwe twenyine cyangwa imiryango yacu. Mais aussi, nous sommes responsables pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et répondre aux besoins de nos semblables. Dufite n'inshingano zo kugira ngo dutunganye ibitwerekeye n'Imana yacu kandi dutunganye n'ibyo abadukikije bari mu iruhande rwacu. En 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il est dit, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches,
Il a rejeté la foi et il est plus mauvais qu'un incroyant. Muri Timoteo rimwe ku murongo wa munani hari ayo majambo ahejeje gusoma nta Bibiliya y'Ikinyarwanda mfise uwo bayifise yo hadusomira ningoga Muri Timoteo rimwe Timoteo munani ku murongo wa Paul nsubiriramo Timoteo biri kuri ekara C'est 1 Timothée 5, verset 8. Timothée, rimwe gatanu ku murongo wa munani. Reka masome. Ego. Haravuga ngo ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Donc on voit que notre responsabilité en tant que chrétien même nous oblige à répondre aux besoins de nos familles. François. Juste me répéter ce que tu viens de dire. Je viens de dire que même en tant que chrétien, Dieu nous demande même d'être responsable de nos familles. Ce n'est pas juste une obligation morale, même c'est une obligation divine. Nkaba Kristo rero Imana idusaba kwitaho inshingano z'imiryango yacu. Et on peut pas répondre à ces besoins de façon efficace sans avoir de planification. Ntabwo rero dushobora gutorera ibibazo cyangwa ibisubizo kuri ivyo birayo imiryango yacu tudafise integuro cyangwa gahunda runaka twapanze. Je vais essayer de lancer un défi si quelqu'un connaît certains concepts dans différents niveaux de connaissances qui n'ont pas de base biblique. Ari akabazo rero agomba aduhe ntabwo ari ibyerekeye no kwizera ariko nakabazo kari ko mu buzima bwacu bwa misi yose. On peut voir que, par exemple, les concepts de budget, les concepts de gestion des ressources humaines, les concepts de soins de santé, on trouve toutes les bases dans la Bible. Tugomba kubona rero yuko ibijanye n'ingenga mari canke ibijanye n'ingenga buzima canke ibijanye ibintu byose bigenga ubuzima bwacu turasubisanga muri Bibiliya. La même chose pour la planification budgétaire, on peut voir à Luc chapitre 14, verset 28, c'est bien écrit noir sur blanc. Muri Luka rero 14, umurongo, quel verset? 28. Umurongo wa 28, turasangaho ibyerekeye ingenga mari. Donc on dit ici, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a des moyens de mener son entreprise à bonne fin? Mon chama kirero avuga ko nk'umuntu agomba kubaka umunara mbega ntiyicara agategura akaraba ikiguzi uzamutwara mu buryo bw'amafaranga mbese n'umwanya azashiraho kugira ngo yubake uwo munara. Donc c'est essentiel de faire une planification. La parole de Dieu nous demande aussi de le faire pour si nous sommes conséquents avec nous-mêmes ou si nous voulons réaliser nos objectifs. Ubwo rero murumva ko ari ngirakamaro gutunganya ibyerekeye ingengamari kuko bishobora gutuma dukora ibyo tugomba gukora neza cyane. Donc un budget de façon simple, c'est juste un petit plan à court terme qui nous aide à savoir, à essayer de déterminer comment nous allons dépenser notre argent. Ubwo rero ingengamari n'ukuntu twicara tugategura neza amafaranga akenewe kugira ngo dukore umugambi tuba dushaka gukora. Et lorsque nous avons une famille, bien sûr, on parle d'un budget familial qui respecte les mêmes règles. Donc, c'est un moyen pour guider les membres de la famille
afin de savoir comment ils vont dépenser l'argent qui est à leur disposition. Iyo tuvuga rero ingengamari yo mu muryango murumva yuko ari ukwicara mukaba ukuntu amahera akenewe n'ukuntu tuzayakoresha mu muryango kugira ngo dutunganye ibibazo tuba dufise mu muryango. Donc simplement donc le budget c'est juste une affectation des ressources disponibles. Muri make ingengamari rero n'ukuntu ugena canke utunganya ubutunzi amafaranga ufise. Il y a un monsieur ici qui a écrit que l'argent est un serviteur fantastique mais un maître horrible. Ngo hariho rero umuntu yavuze yuko amafaranga ni meza ariko n'umwarimu canke umwigisha mubi aho ngerageje kubivuga ijambo ku ijambo. Si tu ne dis pas à ton argent où aller et quoi faire, finalement, il exercera un contrôle sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Ngo ubwo rero iyo amahera yawe utayabwiye ngo yagenekereze yaja n'ibyo agomba gukora, ayo mahera niyo rero aca kugenga wewe ubuzima bwawe bwose gushika ku iherezo. Niyo aca gutu akugenga. Il y a un autre conférencier qui s'appelle John Maxwell qui a écrit que d'une manière simple, le budget dit à ton argent où aller au lieu de passer du temps à te demander où va ton argent ou bien où est allé ton argent. Guhari wo undi muhinga cyangwa umunyabwenge yavuze rero ko ingengamari ariyo ibwira amahera yaja n'icakora aho ahuko wewe umara umwanya amahera ari yakubaza canke yakubwira kubaza ibyo agomba gukora. Le succès d'un budget ça ne dépend pas tellement de la complexité ou bien de tout ce que vous avez fait comme tel. Ubwo rero ngo kugira ngo amahera yawe cyangwa umutungo wawe ugenge neza ngo ntabwo ari kumara umwanya munini ukora ibintu bihambaye bikomeye cyane. Mais tout simplement, un budget réussi lorsque tu exerces un contrôle, c'est-à-dire tu essaies de suivre si ce que tu as écrit là-dedans, c'est ce que tu suis. Bon, bien sûr, dans le budget, on a une partie des ressources disponibles, mais aussi on a la deuxième partie qui est comment on doit dépenser ou répartir ces ressources. Ubwo rero ngo mu gutunganya iyo ngengamari ngo hari ibihande bibiri, hari igihande cy'amahera ufise, hari n'igihande cy'uko uzayakoresha. Et surtout, le succès d'un budget dépend de comment tu surveilles les dépenses quotidiennes que tu effectues. Kugira ngo rero bigende neza yongenga mari nuko wewe uguma ukurikirana ukuntu ukoresha ayo mahera. Il faut éviter que d'avoir un budget trop rigide au point d'être de l'appliquer de façon tyrannique parce que ça donne on n'éprouve pas de la joie de s'en servir comme il faut. Ndukugomba rero kwitonda mu gihe dutunganya ingengamari kuko iyo twinize mu kirundi tuvuga kwiniga uka nk'ibintu byinshi ukabishira kwa mahera make kugira urabe ko ukora ibintu by'umurengera ico gihe rero ngo ibyo si byiza nuko vyirinda. Comment commencer pour bâtir construire un budget? Ubwo rero ngo twotangurira hehe kugira ngo tugenge imari cyangwa umutungo wacu. On peut s'asseoir puis mettre les chiffres là ben dit ben par mois j'ai 3000 dollars et puis voilà comment je vais le dépenser. Umuntu rero arashobora kwicara akavuga ati ku kwezi mfise amahera ibihumbi bitatu raba rero uko nzayakoresha.
Souvent, on va se tromper très facilement parce qu'il faut que quand même le budget reflète part plutôt de ce que vous faites déjà ou quelle est votre vie. Parce que c'est là ça qui détermine d'abord comment vous dépensez votre argent. Kenshi rero turashobora kwihenda kuko igikenewe nuko umuntu ahera ku kuntu abayeho kubya sanswa akora kugira ngo agenge neza imari yiwe. Donc on conseille généralement de noter soigneusement toutes les dépenses pendant une année pour avoir une idée exacte de combien on dépense et sur quoi on le dépense. Ubwo rero ngimpanuro ya mbere batanga canke baduha nuko tugomba kumara umwaka wose tugenda twandika amahera twaronse n'ibyo twayakoresheje. Donc si vous utilisez du cash, c'est bien de vérifier les relevés bancaires. Alors, si vous utilisez les cartes de crédit, c'est bien de regarder les relevés de cartes de crédit pour avoir une idée exacte de ce que vous avez dépensé durant l'année précédente. Ngo nk'abantu rero bakoresha amahera abona no mu kirimi cyacu bavuga ngo amahera cash no kuraba rero amaresi cyangwa amafakture y'ibyo muba mwaguze kubakoresha nabo ama carte de credit ni byiza ko muja muri banki mukaraba zijya mpapuro baduha zanditse ko amahera umuntu wese aba yagiye akoresha sohora. Donc cela nous donne une idée exacte de comment nous vivons et puis s'il y a des changements à faire, on commence. Il faut toujours commencer par ce qu'on fait déjà. Donc certaines choses qu'il faut tenir en considération, c'est que premièrement, le budget nous oblige de vivre selon nos moyens. Le budget ne doit pas dominer notre existence, mais tout simplement, il doit nous guider dans la bonne direction où on veut aller. Ingengamari rero yacu ntabwo ariyo igomba kuja hejuru y'ubuzima canke y'ukuntu tubayeho ngo akamaro kayo no kugira ngo gusa idufashe kubaho. Et bien sûr, quand on vient de déterminer la direction, il faut s'assurer de suivre la boussole pour effectivement suivre la bonne direction. Donc il faut une discipline pour se soumettre aux principes ou aux allocations qui ont été effectuées. Igihe rero ngo tumaze gutunganya iyo ngengamari yacu tugomba kugira inyifato ibereye kugira ngo tugume dukurikirana ukuntu ayo mahera tuyakoresha cyangwa tuyasohora. Souvent nous avons des problèmes de savoir qu'est-ce qu'on doit choisir entre qu'est-ce qu'on on, sur quoi on va dépenser l'argent ou non. Kenshi rero ngo tugira ikibazo cyo kuba cyo guhitamo kugira ngo tumenye ibyankenerwa nihehe tugomba gushira amahera canke tugomba kwashira ngahe ibyo biratugora kumenya icyo umuntu ahera ko gikenewe gusumba ibindi. Il y a ici quelques principes qui peuvent nous aider. Bon, je suis pas allé directement sur la formule Omer le venu ainsi de suite parce que généralement, ce qu'on met là doit dépendre d'abord des choix qu'on a fait dans sa tête. C'est pour ça que je passe le plus de temps sur les préalables. Hari manoro rero baduha kugira ngo tubashe kumenya ibyo duhera ko byankenerwa. Hari ukuntu bisanzwe bikogwa ariko ivyo ntiyabishatse kubishiraho umwanya cyane. Ubwo rero agiye kutwereka ukuntu bikogwa. Donc, en regardant un peu dans la Bible, on peut essayer de préparer notre esprit pour faire des choix qui vont nous aider à vraiment avancer dans la vie comme il faut. Tu rabye rero tukisunga Bibiliya
hariho rero impanuro Bibiliya iduha ku buryo izo mpanuro zishobora kudufasha kugira ngo twitegure dutegure n'imitima yacu bidufashe gutegura iyo ngenga mari neza. L'apôtre Paul a écrit plein d'affaires, mais j'ai choisi de partager avec vous ces deux versets, un qui est à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Intumwa Paulo rero ngo hari inyandiko nyinshi impanuro nyinshi atanga mugabo rero musafiri yahisemo aya masomo dusanga mu Bikorinto ba mbere 6 ku murongo wa 12. Il faut savoir que par exemple une chose dont on peut se payer n'est pas nécessairement bon pour nous. Donc, comme il dit ici en 1 Corinthiens 6, verset 12, même si tout est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. L'apôtre Paul a ajouté, tout m'est permis. C'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Donc, si dans la préparation de notre budget, il faut qu'on réalise que même si on peut se payer certaines choses, ça peut ne pas être essentiel. Donc, on peut ne pas les payer parce que tout simplement, ce n'est pas essentiel, même si on a la capacité de les payer. Mon ami peut acheter quelque chose, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'il faut que je l'achète, même si je peux me la payer. Donc, le premier principe essentiel, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon nécessairement. Le deuxième principe, il faut qu'on puisse avoir une attitude comme celle de Paul, là où il disait qu'il sait vivre dans la pauvreté et dans la richesse. Impanuro igira kabiri nuko tugomba gukurikiza inyigisho duhabwa n'intumwa Paulo kuko Paulo yavuga yuko azi kubaho mu mahigwe mu bukene canke mu byiza. Il dit toujours et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et à vivre avec peu. Paulo rero intumwa Paulo avuga yuko hose aho yaba hari yize kubaho neza canke kubaho nabi kubaho afise ibintu byinshi canke afise ibintu bikeye. Il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté qui est essentiel. Je sais que tout le monde connaît ce verset-là qui suit le Philippiens 4, verset 13. Hariongi binurera ta tubgi yariko arazi uko twese tuzi iryo somo riri a le verset suivant, Philippiens 4, verset 13. Ok, nous va Philippi Kane kumurongo wa 13. En fait, je sais qu'on répète beaucoup ce verset-là, mais c'était par rapport aux conditions dans lesquelles l'apôtre Paul, l'adaptabilité ou la capacité d'adaptation qu'est l'apôtre Paul, et c'est là où il disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, c'était grâce à Dieu qu'il pouvait vivre dans différentes situations.
uwo numurongo rero ngo dukunze gusoma umurongo tuzi mugabo numurongo utubwira ukuntu intumwa Pawulo yarabaye kuko yavuga ati arazi kubaho muri byose ari kumwe n'Uwiteka. So, donc c'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu qui nous aide à nous adapter selon notre situation, notre condition financière. Nous kuvuga rero ngo uhoraho niwe adufasha kugira ngo tubeho tubaho neza muri bike tubaho muri byinshi byose tubikesha Uwiteka. Donc, quand la situation devient dure, n'oublions pas que le Seigneur est là toujours pour nous secourir dans nos besoins. Dans certaines références, on conseille, quand vous êtes tenté d'acheter quelque chose, de prendre votre temps, de ne pas acheter directement. Ngo mu nyandiko nyinshi rero baduha impanuro yuko iyo hari ikintu dukeneye tugomba kugura gufata umwanya tukamanza tukiyumvira imbere yo guca tugura ubwo nyine. Donc on dit que s'il y a quelque chose qui n'est pas sur votre liste ou votre budget, essayez d'attendre 5 à 10 jours pour voir si réellement vous voulez toujours faire cet achat-là. Ubwo rero ngo iyo hari ikintu tugomba kugura ura ariko kitari muri ya ngengari yacu tugomba gutegereza iminsi nk'itanu twiyumvira turaba ko ico kintu gikenewe koko ko tukigura. Il y a quelque chose que j'ai signalé la fois dernière, il faut toujours essayer de comparer les prix, n'est pas juste se satisfaire d'un produit qu'on voit quelque part puis il faut l'acheter absolument, il faut magasiner un tout petit peu. Iruhande rero yuko tugomba gutekereza n'ibico kintu tugikeneye impanuro nuko ngo akurikije ibyo yari yavuze ubushize nuko tugomba no kuraba ibiciro tukaraba ibiciro ukaje ahantu henshi turaba ibiciro. Donc il faut faire la liste des choses qu'on aimerait acheter puis attendre quelque temps Bono mikro yarafunze sinzi ukuntu ifunzwe sinzi uko bigenza agomba kuba ari umuntu. Ok, oui, c'est ça, je disais que il faut essayer de faire une liste et puis pour les choses qui ne sont pas sur dans notre budget comme je l'ai indiqué, puis attendre quelques temps pour voir si le temps nous donne raison. Ubwo rero ngo tugomba gukora urutonde rw'ibyo dukeneye biri kuri ya ngenga mari yacu. Hari ikintu dukeneye kitari muri ugo rutonde tugategereza igihe runaka iyo minsi ingahe itanu yavuze kugira ngo turabe yuko mu by'ukuri icyo kintu gikenewe. Il y a d'autres petits conseils qui sont donnés pour éviter, par exemple, pour limiter nos dépenses pour l'alimentation. Ubwo ngo hari izindi mpanuro rero baduha kugira ngo tugabanye amahera dutanga ku bijyanye n'indya cyangwa ibiryo. Je pense que ce problème concerne surtout les hommes parce que les femmes généralement elles font naturellement une petite liste des choses dont elles ont besoin. Ngo iki rero ni ikintu ahanini yibaza ko kiraba twebwe abagabo abashinga ntahe kuko ngo kenshi biboneka yuko abagore cyangwa abategarugori bobo bafise uwo mugenzo wo kugira urutonde rw'ibyo bakeneye. Donc avant de faire les courses, essayez d'établir une liste et la respecter. Imbere rero yuko ngo hari ibyo tuja kugura tugomba kugira urutonde kandi tukagubahiriza tukarukurikiza. Bon, il y a un autre conseil ici, je ne sais pas si c'est pertinent et s'il y a des gens qui le respectent, mais on conseille de prévoir les menus un mois d'avance pour éviter effectivement que si on va au magasin, on voit des choses, on puisse être tenté de les acheter, même si ça ne fait pas partie de nos habitudes alimentaires.
kubijanye rero nibyo kurya ngo hari n'indi mpanuro batanga tugomba gutegekanya urutonde rw'ibiryo tuzogura canke tuzateka kugira ngo igihe tugiye kubigura mu maduka ntituze dusange turi kugura ibyo tutari dukeneye tutari twarategekanije. Psychologiquement, on conseille de ne pas faire des courses quand on a faim, parce que on devient tenté d'acheter plein de choses même dont on n'a pas besoin. Rero ngo impanuro baduha kuba twaja tutaja gusoma cyangwa guhaha dushonje kuko ngo ico gihe tugiye guhaha dushonje bishobora gutuma tugura duhaha n'ibyo tutari dukeneye cyangwa bitari kuri rwa rutonde rwacu. Mesdames, faites attention, n'amenez pas votre mari au supermarché quand il a faim, il va vous pousser à acheter plein d'affaires. Il semble que ben, les études scientifiques prouvent ça, donc c'est une réalité, ce n'est pas une blague. Ibyo rero ngo ntabwo ari kujajura cyangwa kuyaya taporo n'ibintu abahinga bingenga mutungo bavuze banditse n'iby'ukuri ntabwo ari kudusetsa cyangwa kujajura. Soyez vigilant quand vous êtes en compagnie de vos enfants. Ngo abadamu ngo mugomba no kwitonda iyo mujanye n'abana banyu guhaha. Encore une fois, je pense que les hommes, on achète plus facilement les choses pour les enfants que les dames. Ngo abahinga rero berekana yuko abagabo iyo turi kumwe n'abana tugiye guhaha tugurira abana ibintu byinshi bidakenewe. Ugereranije nuko abadamu abagore babyifatamo. Profitez des soldes et fréquentez les magasins qui vendent au meilleur prix. Ubwo rero ngo tugomba kuja guhahira mu mangazini cyangwa amaduka agurisha ku biciro bito kandi tukaza turaba iyo bagabanije ibiciro. Et la fois dernière, on a parlé aussi de ce dernier conseil où il faut pas avoir honte d'utiliser les coupons parce que des coupons de rabais parce qu'on peut faire beaucoup d'économies avec ça. Ubushize rero gihe yaduha irindi hugurwa yavuze yuko tutagomba gutinya cyangwa kugira isoni zo kuba twakoresha tujya dupapuro turi muri bijya bimenyesha makuru bahora bazana ku ngo zacu. Kuko tujya dupapuro natwo turashobora gutuma hari cyo twunguka kungenga mari yacu. Alors quelle est la forme que peut prendre un budget? Ubwo rero ngo ingenga mari yacu itunganije ite itunganije gute? Actuellement, c'est vraiment facile si vous allez sur internet, vous googlez, vous allez sur Google, vous allez avoir plein de feuilles de calcul que vous pouvez utiliser pour faire votre budget. Urero ngo muri bino bihe biroroshe cyane kuko waje wese kuri internet ashobora kubona ukuntu bagira ingengamari ukuntu bategura ingengamari. Il y a même des petites applications que tu peux acheter, tu payes $3 par mois puis tu peux mettre ton budget là-dedans puis à chaque fois que tu vas acheter quelque chose tu mets dedans puis et il va toujours te dire qu'est-ce qui reste sur telle ligne pendant le mois. Ngo hari n'ubundi buhinga umuntu ashobora kuriha amahera atatu ku kwezi. Ubwo buhinga rero ukaza winjizamo ingenga mari yawe ku buryo ubwo buhinga buza buranakwibutsa amahera abasigaye canke ibintu uba ugisigaje utaragura. Donc le premier élément d'un budget, c'est comme je dis, c'est les ressources, donc les revenus. Ubwo rero ikintu cya mbere gikenewe cyane mu ngengamari ni umutungo dufise. Donc cela peut provenir d'un salaire. Umutungo rero ushobora kuba uva mu mahera duhembwa. D'une allocation pour enfants ou pour autre chose.
canke mu mahera leta iha ababyeyi kure bafise abana canke mu bindi. On peut avoir aussi un revenu de location si on a un immeuble à revenu qui génère de l'argent. Abantu mufise amazu mupangishije mushobora kuronka amahera avuye byo babariha abayapanze. Donc n'importe quelle entrée d'argent, on peut donc sous le revenu vous pouvez mettre 3-4 lignes ou dépendamment de ce que vous avez comme l'argent qui rentre chaque régulièrement. Ubwo rero muri uko gutunganya ingengamari yanyu ku mahera cyangwa umutungo mufise mushobora gushiraho amahera yose mu ava mu mpande zitandukanye amahera mwaronse cyangwa mwinjije. Ici, généralement, le budget est fait sur base mensuelle, mais si votre paye est, par exemple, par semaine ou aux deux semaines, c'est mieux de l'avoir selon les rentrées de vos revenus pour faciliter la tâche. Aharero, ingegamari yari kwaratwerekera ko yatunganijwe ku kwezi. Ariko ngo mu gihe amahera mwinjiza aboneka kunduzi ku byumweru bibiri canke bingahe ubwo ingengamari yanyu mushobora kuyitunganya mukurikije uko ayo mahera mwayinjije mwayaronse. Alors si on va au niveau des dépenses ou des sorties d'argent, tugiye rero kundi muce ku kindi gihande cy'ukuntu dukoresha ubwo butunzi bwacu ayo mahera tuba twinjije. En tant que chrétien, le premier item qui vient, ben nous savons que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Nk'abakirisu rero turaze yuko umutungo wacu ibyo dufise byose biva ku Mana. Et par conséquent, le premier élément qui doit constituer nos dépenses ou l'utilisation de nos ressources, il s'agit de nos dîmes et offrandes. Ubwo rero kuri umuce w'ibyo dukoresha canke dusohora ikitegezwa kuja hejuru ya byose ni amahera dutanga kuri gira 10 n'amaturo. Tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, on était en train de parler comment certains enfants des pasteurs ou des employés étaient étonnés de voir comment ils étaient capables d'étudier malgré que les ressources n'étaient pas suffisantes. Donc, si on met toujours Dieu en avant, il y aura toujours un moyen de nous sortir de nos défis financiers. Ubwo rero ngo abatari bwaze hari ikiganiro yahoze agira n'abandi bari bamaze kuja ku murongo baganira ukuntu abana b'abapasiteri canke abandi bakozi b'itorero abana babo bashinga intahe bavuga yuko bandanije bakomeza kwiga kandi ababyeyi babo batari kwinjiza amahera menshi nk'uko byahora kera. Donc mettons Dieu avant toute chose, nous serons bénis outre mesure. Ubwo rero dushire uhoraho imbere imihezagiro imigisha yindi izakurikiraho azayiducuncuburirako. Pour ceux qui ont un montant élevé de revenus, il faut toujours, et qui doivent payer des acomptes pour l'impôt, il faut toujours mettre à côté l'argent qu'on doit de payer au gouvernement par trimestre, si je peux dire ça comme ça. Go kubantu rero binjiza canke bahembwa amahera menshi igikurikiyeho nuko nimba iyo mugize bavyita declaration d'impôt nimba mutegerezwa gusubiza leta amahera ico gihe rero muri ingenga mari ikindi gikurikira nuko mutegerezwa gutegekanya amahera muzasubiza leta igihe leta yabasavye ko muyisubiza amahera. Ou bien si dans votre emploi vous êtes un employé autonome ou bien il n'y a pas de déduction à la source, il faut que vous sachiez que le gouvernement va vous demander de l'argent. Donc il faut prévoir qu'est-ce que vous allez devoir au gouvernement pour se préparer à y répondre quand le temps viendra. Nubwo rero mutaba mbe nk'abantu bakora ku giti cyabo
nabo nyene bagomba kumenya yuko iyo bagize izo declaration d'impôt hariho amahera leta ibasaba kubategerezwa gusubiza mu kugira rero ingengamari yabo bagomba gutegekanya yuko umwanya wari wose igihe leta yabasabye bazaba bafise ayo mahera bagomba kuyisubiza. Et dans notre conversation la fois dernière, on a parlé de Liberté 45. On a parlé beaucoup de l'épargne. Donc c'est l'épargne très important pour nous préparer pour des mauvais jours, si je peux dire ça comme ça. Donc il faut toujours prévoir une épargne d'urgence, donc s'il y a quelque chose qui brise par accident ou occasionnellement, qu'on soit prêt pour y répondre. Tugomba rero guteganya tugategekanya amahera y'intega bizoza igihe hari ibibazo runaka bidushikiye tutari twiteze tukaba twagobokwa nayo mahera tuba twashize ngaho. Si nous avons l'opportunité d'avoir un emploi, il faut toujours penser à la retraite parce que les rentes qu'on reçoit du gouvernement ou les allocations sont pas élevées. Abakozi rero abantu mukora mugomba ngo kuzirikana igihe muzokwiza ya myaka yo kuba mutagikora mukaba mwatekereje uko bizogenda mukagira ingenga mari yavyo kuko ngo amahera leta iha abantu bigeze gukora mugabo bakwije imyaka yo kudakora ngo ayo mahera usanga ari make cyane adashobora kudufasha kubyo dukeneye byose. Donc un troisième élément au niveau de l'épargne qu'on doit tenir compte, c'est épargner pour l'éducation de ses enfants. Ikindi kintu kigira gatatu tugomba gutekerezaho yo tugira ingenga mari yacu ni vyerekeye kuzigamiriza amashuri y'abana bacu. N'oubliez pas que si vous épargnez, le gouvernement provincial par exemple va ajouter 20%. Non, le gouvernement fédéral, pardon. Iyo rero ngo dufise uko kuntu iyo tukoze uko kuzigamiriza amashuri y'abana hari n'ayandi ngo leta yongeraho ashika ibice 25% ku ijana. 20% ashika 20% puis le gouvernement provincial ajoute un montant, je pense forfaitaire, je ne me souviens pas, je n'ai pas regardé dessus. Mais donc quand vous épargnez, ça s'appelle régime d'épargne études. Parents, n'oubliez pas, dès que vous avez un enfant, commencez à épargner, puis le gouvernement va ajouter et puis ça aide quand les enfants grandissent pour pouvoir subvenir à leurs besoins en éducation post-secondaire. Leta zose zibiri ari ya Ottawa canke ya Quebec ariho amahera yongera ko kuyo twebwe canke mwebwe abavyeyi muba mwazigamirije amashuri y'abana banyu ubwo rero avuga yuko igihe mugira ingenga mari yanyu mugomba kwibuka mugashiraho nico kintu cyo kuziganyiriza amashuri y'abana banyu. Donc, après avoir considéré la dîme et les offrandes, l'impôt et l'épargne, il y a quatre éléments essentiels pour la vie d'un être humain qu'il faut tenir en considération. Ngo tumaze rero kuzirikana ku maturo n'ibigira cumi tukazirikana kuri ayo mahera tuzasubiza leta igihe yadusabye tukazirikana kwa ayo mahera y'amashuri y'abana. Ngo hariho ibindi bintu combien? 4. Ngo hari ibindi bintu bine tugomba kuzirikana na byone. La première c'est l'alimentation. Icambere rero ngo ni mirire ibyo kurya. Deuxième c'est le logement. Ngo ikigira kabiri naho dutuye amazu tubamo.
Troisièmement, c'est se déplacer. Ben, si on a besoin d'aller travailler, il faut qu'on se déplace. Bon, ikigira kane n'ukuntu twiyunguruza nimba turi abakozi tugomba kuja ku mirimo. Bon, mais sinon, il faut aller acheter, faire l'épicerie, ainsi de suite. Il y a, tous les trajets se font pas à pied, donc il faut prévoir les frais de transport. Ubwo rero ngo n'ababa badakora badakeneye kuja ku mirimo baraja guhaha baraja kwa muganga baraja hehe ibyo byose usanga bikenera uburyo bwo kugira ngo twiyunguruze. Ensuite, on a besoin de nous vêtir, de nous vêtir. Ikigira kane rero ngo nuko turakeneye kwambara. Alors, il faut commencer par ces trois choses, puis s'assurer qu'on y répond, parce que ce sont ce qu'on appelle les besoins essentiels. Ubwo rero no guhera ngo kuri ibyo bintu bine cyanke bitatu cyanke bine avuze ngo kuko mu ni ibintu byankenerwa cyane mu buzima bwa muntu buzima bwacu. Un autre aspect qui risque d'entraver, qui vient juste après, c'est les dettes. Il faut faire face à nos dettes parce que les dettes, ça empoisonne la vie aussi. Ngo ikintu rero kindi gihambaye cyane kandi gikunze kudugora n'imyenda tuba dufise kuko imyenda iradutera ibibazo cyane iratugora mu buzima bwacu bwa buri minsi bwa minsi yose. Alors, il faut vous assurer que vous payez les cartes de crédit de façon régulière, donc vous remboursiez vos prêts d'études et autres, ainsi de suite, pour que idéalement on ne reste qu'avec des dettes que j'appellerais essentielles, que ce soit une dette sur la voiture ou sur la maison seulement. Ubwo rero ngo tugomba kuzirikana tukaba twarishe ariya makarita baduha ya ingurane tukaba twarishe amadeni y'amashuri n'ibindi gutyo kuburyo ngo dusigarana amadeni amwe nkenegwa cyane akarorero nk'aba bafashe nk'ideni ry'umuduga canke ry'imodoka. Alors, il faut penser aussi à mettre de l'argent de côté pour les médicaments, pour payer chez le dentiste et autres dépenses en rapport avec la santé. Ubwo rero nk'ababa badafise ubwishingizi tugomba kuzirikana ku mahera nayo tuzogura imiti tuzariha kuri bariya batuvura amenyo iyo tugiye kuvuza amenyo n'ibindi bijanye n'ubuzima canke amagara yacu. Même si vous avez des assurances médicales, n'oubliez pas que généralement on couvre jusqu'à 80%. Vous avez toujours un 20% à payer ou une franchise dans certains cas. Ubwo ngo n'abafise assurance tugomba kumenya yuko ubwo bwishingizi bw'imiti butariha imiti yose amahera aguza imiti yose tuba twakoresheje ubwo tugomba kuko rero hariho amahera tuzariha twebwe twenyine ubwishingizi budashobora kuturihira. Il y a un sujet qui est controversé souvent dans le milieu adventiste, c'est les assurances, l'assurance santé, l'assurance vie. Ce sont des aspects aussi, c'est vrai que Dieu nous garde, mais c'est lui qui nous protège. Par contre, quand il nous donne des moyens pour nous préparer jusqu'à un certain niveau, il faut quand même le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc, l'assurance de santé, l'assurance vie, ça peut aider aussi dans certains cas. Ngo hari rero ikintu gikunda kuzana impari mu badivantiste tutumva cyo kimwe ni cerekeye ubwishingizi ubwishingizi ari ubwishingizi bw'ubuzima canke amagara yacu canke ubwishingizi bw'imiti n'ibindi gutyo avuze yuko ngo nubwo Imana itubwira yuko tutagomba kwibaza canke gushidikanya canke gukekeranya nubwo Imana itubwira yuko ariyo ituzigama kuba rero umuntu yofata ubwishingizi ngo si bibi bikenewe. Alors, on met de côté aussi des montants divers pour payer les équipements ménagers, les jouets, les cadeaux.
ngo rero ngo tugomba no gushira iruhande amahera yo kuzari kuko tuzaza twishura ibintu bitandukanye ari ibikoresho dukeneye mu mazu ari udushimwe duhabana canke duhabandi ubwo tugomba gutegekanya amahera azaja kuri ibyo bintu byose. Pour ceux qui le peuvent aussi, les loisirs font partie de la vie, donc on peut prévoir le montant qu'on doit dépenser au restaurant, aux sorties, aux vacances. Donc selon nos habitudes de vie, on peut ajouter sur cette liste ou on peut couper. Donc ça, ce n'est pas la roi des Mèdes et des Perses, comme on dit. Ngo ngo abantu rero bakunda kwiryohera mushobora gushiraho n'amahera abigenewe. Abantu bakunda kuja kuraba amasinema, abantu bakunda gufata ingendo, abantu bakunda kuja muri restora, ibyo byose ngo tugomba kubitegekanya nubwo ibyo bigenda bivana na buri muntu wese kuko ntabwo ari nkenerwa cyane kuri umwe wese. Donc plus vous allez inclure tout ce qui cadre avec ce que vous avez comme style de vie, plus vous allez avoir de la facilité à bien gérer votre argent, puis avoir des projets et les réaliser. Uko rero dutegekanya ibijanye n'uko tubayeho tukabishira muri yongenga mari yacu bidufasha gutunganya no gukora no kubaho nk'uko tubishaka cyangwa nk'uko tubitegekanya. La prochaine fois, notre discussion va porter sur l'endettement. Mais l'endettement est la conséquence directe de ne pas avoir un budget et le respecter. Mbi zo kuba tutategekanije ingengamutungo ingengamari yacu. Je pensais pouvoir prendre peu de temps que ce que j'ai pris, donc je vais laisser plus place aux questions. Et donc ça c'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais plus essayer de répondre aux questions parce que bon, on est tous dans différentes situations et les besoins peuvent être différents, donc j'aimerais donner le temps pour que les gens puissent poser des questions. Mborero ngo yafashe umwanya muremure nkuko atabyibaza cyangwa atari yabitegekanije ariko rero ngo harageze ahaye ijambo mwese muri kumukurikira kugira ngo abafise ibibazo babibaze maze rero tugende duhana ijambo twungurana ibitekerezo kuri iki cigwa aduhaye cingenga mari.